Salut les gens, allez, nouveau week-end, nouvelle vidéo. Bon, la météo était pas sans sas au début du week-end. Allez, on fait un pari, on essaye de faire tomber de l'eau ailleurs que du ciel. En tout cas, je vais commencer par une petite mosaïque, qui n'est pas une mosaïque d'ailleurs, mais une petite personnalisation. Voilà, j'ai envie de tester des choses, c'est l'occasion, on va voir ce que ça donne. Allez, c'est parti! Thank you.
Allez, on arrive au bilan de la fontaine. Donc bon, personnellement je suis assez content du résultat. Ça pourrait être mieux fait, ça pourrait être différent. Je regrette pas forcément les choix que j'ai fait. Pour répondre à Simon qui m'a posé une question tout à fait justifiée. Quel est le budget pour faire une fontaine comme ça? Donc je parlais que de la fourniture parce que la main d'œuvre. Par un professionnel, je n'en ai aucune idée. Par un amateur comme moi, en gros, il m'a fallu à peu près 2 week-ends plus celui-ci. On est samedi. Donc 2 week-ends plus un jour, à peu près. Voilà. Mais pour les fournitures, en tout cas, je peux vous dire ce que j'ai payé moi. Donc pour le ciment, le mélange à béton qui m'a servi à faire la cuve, le soubassement, monter le mortier pour avec le sable pour faire les parpaings, faut compter à peu près 20 euros on va dire. Les moellons, j'en ai passé à peu près 23 il me semble, donc on va dire 23 euros. J'ai passé à peu près un sable de tronc, que ce soit pour faire le cuvelage, pour sceller les cuivres, quelques bricoles quoi. Il est peut-être pas passé entièrement, mais c'est 15 euros le sac. La colle à carrelage, on va dire à peu près 30 euros. Là, les mains courantes. Donc ça, je rappelle, c'est une main courante de balustre. Et les petites dessous, c'est... Et non, bah non, je vais dire, celles qui sont là, c'est une main courante de claustra. Et donc là, c'est les grandes, donc les mêmes que celles-ci, mais que j'ai coupées en deux dans la longueur, comme on a pu voir sur les épisodes précédents. Donc les grandes, j'en ai passé 10, elles étaient à environ 14 euros l'unité, donc 140 euros pour l'ensemble. Les petites, j'en ai passé 6, à peu près 4 euros, 24 euros l'ensemble. Le travertin, donc j'ai acheté les carreaux en 10-10 qui sont là, qui font le tour. C'était une boîte de 50 et c'était à peu près 17 euros la boîte. Et les grands travertins qui m'ont servi à faire les catelas, la mosaïque, qui m'ont servi à faire le dessous, là aussi. J'en ai passé, je crois, 8. Donc format 40-60. Monoformat du coup, pas en opus. Et c'était 5 euros à peu près le travertin, donc plus fois 5, 40 euros. Le flotteur de remplissage, c'est un flotteur de toilette, qui était à 7 euros, à peu près 7,50 euros je crois. Les cuivres, la barre de 2 mètres, en... c'est 10 mètres 28, plus les 4 coudes, donc les deux là, et les deux de l'autre côté, ça faisait à peu près 43 euros. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Les pompes de remontée, moi c'est de la récup, c'est des pompes d'aquarium, j'en avais pris deux, et en fait une seule, c'est déjà trop. J'ai rebouché autant que possible l'entrée d'eau de la pompe, et c'est la même pompe qui m'alimente les deux, et je trouve lui encore un peu trop puissant. Donc faut que je voie encore comment brider encore le débit qu'elle remonte. Mais bon, je pourrais pas vous dire le prix, après je vous montrerai le modèle pour ceux qui intéressent. Voilà. Donc en gros, allez, on va dire 350 euros de fourniture. Main-d'œuvre, ben, ça dépend de tout le monde. Voilà. Prix assez maudit, je trouve, par rapport à la taille de la fontaine et le rendu. Parce que bon, on trouve dans le commerce des toutes petites fontaines, une fonte, bon, c'est un autre style, mais c'est pas donné, c'est. Vraiment tout petit, ça fait à peine ça on va dire. Voilà. Donc, ben, j'espère que ça vous aura plu cette série d'épisodes sur la fontaine. Et puis bien sûr on se retrouve pour la suite.